C'est le bleu, chef. Soup? C'est quoi ce nom à la con? Plus les choses changent, moins elles évoluent. Les frontières bougent, de nouveaux acteurs apparaissent, mais le pouvoir se trouve toujours un maître. Nous avons combattu et souffert aux côtés des Russes. Nous aurions dû savoir qu'ils nous haïraient pour ça. Ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire, et je pensais que nous avions gagné. Mais quand on abat un ennemi, un autre, pire encore, vient le remplacer. Les lieux changent, comme les raisons et les objectifs. Les ennemis d'autrefois deviennent nos alliés. On les forme pour lutter à nos côtés en espérant qu'ils ne se retourneront pas contre nous. Un autre jour, mais toujours la même merde. Vous savez ce que je cherche, sergent Follet. Ouvrez bien l'œil. Un nouveau groupe passe dans la fosse aujourd'hui. Je vous enverrai le meilleur. Bienvenue au royaume de la gâchette. Le soldat Allen va vous faire une petite démonstration pour vous montrer comment ça marche. Vous fâchez pas, mais j'en vois plein qui tirent à la volée et arrosent tout le champ de tir. C'est le meilleur moyen de pas toucher sa cible et de passer pour un crétin. Soldat Allen, montrez-leur ce que je veux dire. Prenez cette arme sur la table et tirez sur les cibles derrière vous. Retournez-vous et visez les cibles. Vous avez vu? Il a arrosé tout le champ de tir. Pour être efficace, position stable et utilisez le viseur pour sélectionner vos cibles. Soldat Allen, montrez à nos amis comment un ranger abat une cible. Accroupissez-vous, puis regardez dans le viseur. C'est la base, vraiment. Si vous voulez abattre votre cible, il faut la viser avec le viseur. Et si votre cible se cache derrière un abri léger, sachez que certaines armes peuvent malgré tout la toucher. Le soldat va vous faire une démonstration. Enfin, il est essentiel de savoir lancer une grenade. Soldat Allen, prenez des grenades à fragmentation sur la table. Lancez une grenade dans le champ de tir pour abattre plusieurs cibles d'un coup. Les grenades roulent si le sol est en pente. Alors réfléchissez à deux fois avant d'en lancer une si c'est le cas. Parfait.
Merci pour votre aide, soldat Allen. Maintenant, rejoignez la fosse. Le général Shepard veut vous voir sur le parcours. Alors, qui veut passer le premier? Montrez-moi ce que vous avez appris. Ouais, c'est le capitaine du G2 qui l'a eu. Bonjour, soldat. Bienvenue dans la fosse. Il paraît que le général Shepard veut confier une mission spéciale à notre unité. Il est venu en observation. Bon, maintenant reprenez votre fusil. Bien, reprenez votre arme de poing. Alors, c'est rapide, hein? Prendre votre pistolet est toujours plus rapide que de recharger. Souriez pour les caméras et visez juste. Shepard vous observe. Le meilleur tireur rejoindra l'escadron d'élite, si ça vous intéresse. Bon, allez-y! Le chrono démarre dès que la première cible apparaît. Nettoyez le premier secteur! Allez, allez! Recommencer le parcours. Très bien, montez rejoindre vos coéquipiers. À tous les hauteurs, le groupe rejoignez votre groupe. C'est quoi? C'est de l'autre côté de la rivière en zone rouge. On a perdu le contact. Tout le monde dans les véhicules, on s'en va. Parce que ce qui se passe ici a de l'importance là-bas. Nous ne pouvons pas rester spectateurs. La maîtrise des outils de la guerre moderne est ce qui permettra à votre peuple de se développer au lieu d'être anéanti. Nous ne pouvons vous offrir la liberté, mais nous pouvons vous apprendre à la conquérir. Et ça, mes amis, a plus de valeur qu'une armée entière de blindés. Bien sûr, la taille de l'arme a de l'importance, mais ce qui compte le plus, c'est la personne qui l'utilise. C'est l'heure des héros. L'heure de faire la légende. Ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Mettons-nous au travail. Debout, soldat Allen ! Les Rangers passent devant ! Allez ! Sur le pont à 10h, plusieurs cibles, éliminez-les! On reste à l'attente. Sur le pont, d'un côté! Civil 1-1! La cible est à l'immeuble blanc de
bâtiment. Le grand a eu l'air. Hé, hey, Dev, c'est lequel, celui de gauche ou celui de droite? Celui de gauche. Hé, hey, ils sont pas un peu trop près, les mecs, là? Depuis quand Shepard se recule de ça? Hunter 2-1, soyez prudents. Gaffe à vous, les gars. C'est le Far West, ici. Compris. Surveillez les ruelles. On les couvre. Trois ennemis sur le balcon à 12 heures. Sûrement la milice. Ils sont armés? Négatif. Ils observent, c'est tout. Paris qui nous espionne. Ça veut pas dire qu'on peut pas les buter. Vous les voyez? Je vois rien du tout. À tous les hunters, ici le sergent Follet. Préparez-vous à l'attaque. Il y a des tireurs embusqués. Thank you.
J'ai l'air de quoi ? De l'un de nos ennemis. Parfait pour votre mission d'infiltration. Alors c'est Makarov la récompense ? Makarov n'est pas la récompense. C'est une putain qui se vend au plus offrant. N'oubliez pas votre nouvelle identité. Ça peut vous sauver la vie. Bienvenue dans la 141e, le meilleur groupe de combattants de la planète. C'est un honneur, monsieur. Quand vais-je rencontrer le reste de l'équipe ? Ils sont en mission pour récupérer un ACS derrière les lignes ennemies. Ils ont dû se mouiller ? Ils sont sûrement en train de se les geler en ce moment. Fini, Roach. En route.
Reste là et regarde-moi. Attends mon signal. C'est bon, la glace tient. Suis-moi. Bonne chance, mec. On se retrouve de l'autre côté. Charbon, lâche pas! Vérifie ton capteur cardiaque. Tu devrais me voir sur le radar. Le point bleu, c'est moi. Les contacts inconnus s'affichent sous forme de points blancs. Roach, ces crétins se doutent pas qu'on est là. On va y aller en douceur. Tu prends celui de gauche. À 3. 1, 2, 3. Je fasse tout moi-même ou quoi? Tu prends celui de gauche. À 3. 1, 2, 3. Bien joué. La tempête se lève. C'est un Renault. Je vais te surveiller du haut de cette corniche avec la lunette thermique. Profite de la tempête pour rentrer dans la base. En bizarre, tu seras un vrai fantôme. Les gardes te verront qu'au dernier moment. Surveille ton rythme cardiaque avec ton capteur. Bonne chance. Joli coup. Ennemi sur ta droite. Il est à moi. Exagère. Pas mal. Voilà un camion. Reste planqué surtout. Cible sur ta droite. Ne fais pas voir. On a alerté un. Attends, il y a de l'activité sur la piste. L'ennemi vient vers toi. Ils sont une bonne vingtaine. Roach, la station-service est dans le coin nord-est de la piste. Qui est ? Je capte des messages radio concernant le satellite.
Attends. Ok, le satellite est dans le hangar du four. La course, j'y vais. Terminé. J'ai des signatures thermiques près de la tour. Fais gaffe, je vois des ennemis qui arrivent de partout. Allez, 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 allez
Corps 141 a apporté la CS, Allen. Deux hommes ont éliminé toute une base. Je vais vous demander encore plus. Hier, vous étiez un soldat sur le front. Mais aujourd'hui, le front, c'est du passé. Les uniformes aussi. La guerre se joue partout, et il y aura des victimes. Makarov combat pour lui-même et n'obéit à aucune loi. Il n'a pas de limite, ne recule devant rien, torture, trafic humain ou génocide. Il n'est guidé par aucun idéal et ne respecte aucun drapeau, aucun pays. Il échange le sang contre de l'argent. C'est votre nouvel ami. Je ne vous dirai pas ce que ça a coûté de vous faire venir près de lui. Ça vous coûtera une part de vous. Ce qui n'est rien en comparaison de tout ce que vous sauverez. Dieu nous garde. N'oubliez pas, pas de Russes. Ils sont pile à l'heure. Vérifiez vos armes et vos munitions. Ça fait longtemps que j'attends ça. Comme nous tous.
par ici, allez. Dégagé. Cessez le feu. Nos chevaliers s'y rendent. On leur a envoyé un sacré message avec cette attaque, Makarov. J'appelle pas ça un message. Ça, c'est un message. L'Américain croyait qu'il pouvait nous avoir. Nous découvrons le cadavre. La Russie entière voudra la guerre. Les Russes vont sûrement pas fermer les yeux sur ce massacre. Ça va pas être beau. C'est vrai. Mais aux yeux du monde, ce sont eux les victimes. Personne ne lèvera le petit doigt quand les Russes se mettront à abattre les Américains. Makarov avait un temps d'avance. Il a laissé des milliers de cadavres aux pieds des Américains. Nous seuls savons que c'était Makarov. Notre crédibilité s'est envolée avec Allen. Il nous faut des preuves. Suivez la douille. Alejandro Rojas. Jamais entendu parler. Vous le connaissez, c'est Alex le Rouge. Il a organisé l'assaut. Une balle pour déclencher la colère de toute une nation. Ce qui veut dire... qu'il nous mènera à Makarov.
Faust, les plaques correspondent. Bien sûr. Aucun signe du bras droit de Rojas. Négatif. Ils sont déjà arrêtés deux fois. Aucun signe de lui. Attends, ils s'arrêtent encore. Pique pas. Les ai identifiés. Je sais pas qui sont ces types, mais ils sont pas contents de le voir. Faust, je crois qu'on a un problème. Baisse-toi, baisse-toi. Le chauffeur est mort. On est à Pense. Retrouve-nous à l'hôtel Rio et tâche de lui couper la route. Compris, j'y vais. Roach, ça va prendre un peu de temps. Va avec Miteroy fouiller la favela pour retrouver Rojas. C'est par là qu'il est allé. On y va. N'oubliez pas qu'il y a des civils dans la favela. Alors regardez autour de vous avant de tirer. Mite, sors ces civils de là. Compris. Este lugar no me seguro. No me esto que pudo. Me!
Vite, t'es mort! Ils sont partout! Attention, je
Pas d'engagement. Fais chier. Bien sûr. Bravo, on capte 70 échos dans votre secteur, veuillez vérifier. Très drôle, Station. C'est négatif, terminé. C'est sûrement un module ACS qui déconne, chef. Sand Bravo, ouvrez l'œil. Je vais lancer un diagnostic du matériel. Le ciel est dégagé, Station. Il doit s'agir d'échos fantômes, terminé. Zulu X-Ray 6, on capte une centaine d'échos dans votre secteur, à vous. Négatif, Station, rien au radar. Je sais pas quoi vous dire. Les interférences solaires, ça tape dur aujourd'hui. Sierra Delta, c'est peut-être l'ACS qui débloque, mais vous avez quelque chose de votre côté? À vous. Sierra Delta, répétez. Il y a des chasseurs au-dessus de l'I-95. Comment ils ont fait pour passer? Attendez, je tente de contacter l'unité la plus proche dans le secteur. Je vous reçois. Premier bataillon du 75e régiment. Sergent Follet, unité Hunter 2-1. Est-ce que vous me recevez? À tout le personnel. La surveillance satellitaire est interrompue. Les systèmes SOS-US doivent...